Salam la team Colibri et bienvenue dans cette vidéo Woofing au Maroc. Nous nous trouvons dans la ferme d'Elodie qui a récupéré des ânes, des chevaux, un dromadaire et des chiens. Elle s'en occupe comme elle peut, on va vous parler de tout ça. Mais d'abord, générique. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Tout le monde, ce matin on quitte Agadir et on se dirige vers Taroudante. On est arrêté à Total du coup pour laver un petit peu le camion parce que le pauvre il était un petit peu dans un piteux état, plein de sable, plein de cochonneries. Donc un petit peu de propre, de mise en beauté lui fera du bien. Voilà. Bon, je me suis arrêté chez Total, je pensais que c'est moi qui allais laver le camion. Mais du coup, pour 70 grammes, ils vont le faire. Donc bon, c'est cool. On va voir ça. Il n'y a que le toit qui m'assera peut-être à faire avec les panneaux solaires, mais on va voir ça. Donc du coup, voilà, petit nettoyage des pics. Il va être tout beau, tout propre. Même le drapeau. Ouais. Et tout ça pour la modique somme de 70 rames. C'est un peu flippant quand même, parce que le gars, il est monté sur un bidon en métal et il se le trimballe, il descend, il s'en sert pour monter, il descend pas avec, il se déplace dessus, dans un truc, t'as juste peur pour lui quoi. Voilà comme ça, là il est sur son bidon, il se déplace. Bon, on répare un peu les box des chevaux ici. Hier, on a remis des planches. Alors, je crois que c'est celle-là. Il y en avait que jusqu'en bas, donc on a fini de remplir ici. Et les chevaux, ils sont un peu gourmands, ils mangent les planches. Donc, pour éviter qu'ils mangent les planches, on voit les endroits, elles sont usées là-bas, comme sur le portillon. Je sais pas si on voit. Si, attends, faut que je m'approche. Donc, c'est un peu rongé. Un peu beaucoup quand même. Alors, les chevaux, surtout les ânes qui font ça. Donc pour éviter ça, en fait, on met des rondins d'eucalyptus dessus parce que c'est très très raide comme bois. Du coup, ça protège la première planche. Donc voilà, on a mis un peu tout le long. On a refait les portillons. Puis là, il y avait que la palette, mais il n'y avait pas toutes les planches. Bon, il n'y avait pas les deux là, il n'y avait pas les deux là. On a remis les verrous qui fonctionnent correctement maintenant.
Et voilà, on a fini tout le tour là, comme ça c'est bien propre. Et là il reste au bout là, parce que je suis en train de bricoler, mais il manque des pointes, faut que je vois avec Yo. Quand il reviendra tout à l'heure, s'il y en a. Je sais pas s'il y en a, il y en a d'ailleurs. Donc là on va mettre des rondins, comme ça on va en rajouter deux là, que ça fasse tout propre et que ça soit fermé. Parce qu'on n'a plus de planche. Donc on va fermer ça, donc on va préparer, couper, après mettre les clous, puis on verra bien qu'on a des clous. Inch'Allah comme on dit. Ouais. J'ai que revenir ici. Ta fille est toute seule là-bas. Elle a froid, ma fille. 52 minutes à payer. Merde. Et la neige au Maroc. La neige au Maroc. C'est censé avoir le même téléphone. Ouais, le. Et ben on va manger ça. On peut peut-être leur dire. Oh là là. Oui. Ça c'est du vermicelle. Ça c'est de la cannelle. Ça c'est des raisins secs. Et normalement il y a des cacahuètes broyées au-dessus avec du sucre glace. Ah non, c'est pas eux, c'est Elouze. Elouze c'est amande. Ok. Et du coup il va remettre du sucre glace et nous on va manger. En fait il faut faire descendre. Tu descends mais tu manges en bas. Avec le sucre glace. Voilà. Ça c'est les repas qui sont faits au mariage. Et en général, c'est accompagné de poulet rôti. D'accord, ok. Mais il faut préciser que tout ça était ramené en moto. Non, quand non, même. Le poulet rôti, il n'est pas ce soir, t'inquiète. Non, mais en fait, ce qu'on a mangé avant, c'était pas le repas. C'était l'entrée. C'était le casse-croûte. C'était l'entrée. Non, le casse-croûte, c'est équivalent au goûter. Attends, à l'apéro, comme chez nous, mais sans l'alcool. Attends. Oh. Alors, quand vous avez fait le casse-croûte avant, et qu'après, on vous dit que vous venez manger. Pourquoi vous mangez pas? Pourquoi? Ça, il y a un embrouille. Ça. Oh non, je crois qu'il a raison. Parce que là, vous mangez tout ça derrière. Non, c'est pour vous qu'ils l'ont fait. Non, ils mangent pas de femmes normalement. Normalement, les Marocains font le casse-croûte et après ils font la chair. Le casse-croûte, c'est comme l'apéro comme chez nous. Sauf des vieux beurs. Mais c'est plus que l'apéro, ils mangent bien. Quoi. Mais ils ne boivent pas. Et après, ils font la chair. La chair, c'est un autre repas. Et bah alors, eux, en général, ils mangent pas la chair, ils mangent que le casse-croûte. C'est le dîner. Ouais. On embrouille pas, des beaux. Un vieux rodien. Bon, du coup, là on attend le petit taxi parce que ce midi on est invité pour le couscous. Alors on dit ce midi, mais en fait il est. Il va bientôt être 15h. Ouais, il va bientôt être 15h. Donc ici il mange tard le midi. Regardez les filles, les chiens. Et c'est un gars qu'on a croisé au souk en se baladant, en arrivant à Taroudante, qui nous, en discutant, qui nous a proposé de nous inviter à manger le couscous. Voilà, après avoir passé, c'était quoi, une petite heure ensemble à se balader dans le souk là. Dans le souk, ouais. Et puis voilà. Vous voulez qu'on aille boire le thé avec lui, puis bon, ouais. Vu qu'on était un peu attendu. On était attendu et du coup on lui a dit ben, pour plus tard et du coup il nous a invité à boire le couscous. Vu que c'est le vendredi c'est couscous, ben. Ouais, vendredi c'est couscous. Et là on est sur la route et il y a des petits bébés chiens il paraît. Donc on va aller voir ça en passant, s'ils sont encore là. Ils sont là les petits toutous. Attends, il y en a deux là. Salut toi. C'est tout mignon. Salut. Bonjour. Le petit toutou.
Miné mémé. Prête pour le Maroc, ça y est. Rosé, c'est bon. Le Marocain. Adopté, ça y est. Ça y est, tu restes ici. Avec allez. Les bras, ça y est. Tu vas rester ici. Quand les joueurs leur disent qu'on n'en met pas partout, ben là. Allez, petite séance de monte pour les filles. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way, and the world has made me strong. Ça y est. Chouchou, il retourne séduire les ânes. Don't you come round throwing. Franck qui couvre la mule. Pour le soir, qu'ils aient pas froid cette nuit. Alors, on sent que c'est l'heure de la bouffe. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This year is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers. Give you some lessons round these parts. I tell you, no amount of right gonna justify your life. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end. Celle est friée sur le bien. Ouais. Ouais, pas habituée. C'est comme ça qu'on apprend. Ah, mais c'est vrai, c'est une des meilleures façons d'apprendre. Les mêmes rues, c'est même de bander. T'as pas le choix quand t'as rien pour te tenir. Non, mais ça tourne. En plus, celui qui a pas de selle, c'est un fauteuil. Il y a le dos qui est bien, bien post-formé. Hop, elle est repartie. Ah, Céleste, ouais. Croche-toi bien. Elle est toute seule cette fois-ci. Some lessons round these parts. Cool. La marmotte. Voilà. À table. Non, parce que lui, quand il lève la tête, c'est comme un coup de boule. On va soigner Chouquette. Moi, le mignonnet ne dit rien.
Ouais, elle sait que c'est pour la soigner. Ouais. Et ce n'est pas rien que de c'est rentrer pas bête, dans la les animaux. Non, non, mais eux, non, ils savent. En même temps, je crois qu'ils savent aussi qu'ils ont de la chance d'être soignés. Là, ouais. Je crois aussi. Doucement, ouais, les ouais. Filles, les filles, ouais. Doucement, doucement. Pas trop de monde, ouais. Restez en arrière. Elle est super cool, cette chienne. Par contre, pas avec les autres chiens. Mais avec c'est les gens. Tu s'entends pas avec les autres? Ouais. Avec les gens, elle est super cool. Ah, ah. Tiens, bouge pas, bouge pas, regarde, c'est presque bon. Le chat va aller, ma belle. Non. Faut relâcher le garrot, si tu peux l'aider. Ah, pardon. Ah, ouais, ah ouais, c'est bon. C'est bon, stop. C'est bon. Là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux tout de suite. Hey, c'est bon. Ouais. Mais voilà, ça y est, c'est fini. On en parle plus. Ah, il est ouais. J'ai un peu d'air, c'est pas grave. De l'air. De l'air. Non, il en a pas mis, c'est quoi. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Pourquoi je... C'est pour ça que... Je repère la ligne de démarrage. Oui, il suit la ligne. Ça y est, ma mère. Oh là 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 là. T'es une grande fille. Allez, fais voir. Une grande fille. Je fais voir le. Regardez-moi un peu ce beau couscous là. On va se régaler. C'est couscous deuxième se round. Deuxième round. Deuxième round, ouais. On a déjà fait à midi. Et après, ça va être KO. Demain, jeûne. Pas à manger demain. Sinon, on sortira Maroc plus 30 kilos. On va manger. Ils veulent discuter. Du coup, par contre, vous êtes obligés de faire la traduction quand ils ne comprennent pas. C'est cool. Ultaham. Ultaham. C'est ça. Tu parles français. Vous avez vu qu'il était. Suspense. Sur le dromadaire. Sur le dromadaire. Un tour de dromadaire. Il va nous dire. Ils sont où là, Virgo? Je sais pas. Ils passent par derrière. Ouais, je crois qu'ils. Ils essayent de se faire discret. Voilà. Waouh. C'est bon, c'est pas le tagine. Vas-y, c'est beau, ça. Wow. Regardez comme c'est chouette. Oh, le gâteau. Je sais pas. Pourquoi il en reste content? Hein? Non, c'est nouveau. Non, d'accord. Ah, ça, c'est de la surprise. Hein. Et on a eu peur. Hein. On a cru qu'il y a le tagine qui est arrivé. Hein. Wow. Bah, il est magnifique ce gâteau. Oh, alors, regardez-le, c'est comme ça qu'on fait. Regarde. Je vais faire des petites pour qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, c'est le gâteau du mariage. Moi, j'aurais fait une bonne vie. Attends, viens, je t'aide. Vas-y, regarde. Allez. Tu t'en souviendras toute ta vie. Tu sais qui doit manger la première part. Ouais. On peut le couper, le ruban, c'est pas grave. La jarretière. La jarretière. Fallait qu'elle se lave, là. Allez, non, non, elle est plus. Comment je vais? La coupe. Non, mais il faut faire des assez de part pour tout le monde. On est beaucoup. Attends.
Je suis perdu dans mon compte. C'est combien ça? Il n'y a plus personne. 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Heureusement qu'on consomme pas d'alcool hein, ici. Fais des carreaux, toi. Fais des carreaux. C'est bien. Fais des carreaux. Des carreaux, c'est rond. Des carreaux, fais des carreaux. Des carreaux sur un rond. Des carreaux, oui. Des carreaux sur un rond. Déjà, tu passes par le mur, tu traverses. Écoute comme tu veux. Non, fais des carreaux. Oula, les pommes. Non, fais ça, mais vas-y. Si maman, elle savait comment on ruine le gâteau. Ça vaut mieux que ce soit son fils qui fasse. C'est violent, putain, des morceaux. Je sais pas. Bon, du coup, cet après-midi, on va se promener avec les filles. Donc, hier, vous avez pu voir qu'on avait rencontré Hassan et sa famille. Et du coup, là, ils nous ont invités, enfin, sa femme nous a invités à aller dans l'association là où elle travaille, dans la coopérative de femmes. Parce qu'aujourd'hui, ils font une petite fête. Et du coup, elle nous a invités à y participer. Alors, on va se séparer. Parce que du coup, c'est une fête réservée aux femmes. Donc, Franck ne peut pas y venir. Donc, pendant que nous, on va découvrir ça, Franck va aller se promener avec Hassan. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On verra, ils vous le diront peut-être tout à l'heure. On va voir ça. Voilà, affaire à suivre. Bon, du coup, ça fait quoi? De quoi? De pas aller faire la fête et d'aller te balader. D'être interdit de séjour. On a l'habitude, même en France, avec les tentes rouges et tout ça. Ça, on est revenu au temps où l'école des garçons, l'école des filles, en fait. T'es jaloux, hein? Non, c'est que je trouve ça dommage, cette séparation, mais je me plie à la culture du pays, mais il n'y a pas de souci. Donc on attend Hassan avec le taxi, et puis on va aller à la fête des femmes au pied de la montagne. Regardez comme elle est sympa la mosquée derrière nous. C'est pas la grande mosquée de Taroudante, c'est une qui est pas mal déjà. En fait, il y a plein de mosquées partout. Donc quand on se donne rendez-vous devant la mosquée, faut vraiment savoir laquelle. Comme chez nous, des fois, il y a plein d'églises, de chapelles. Il y a plus de mosquées que d'églises quand même hein, dans les communes. Parce que du coup, comme les hommes sont obligés d'aller prier à la mosquée. Oui, j'ai un cheveu qui traîne quelque part. Salam. du coup, ouais, les hommes sont obligés d'aller prier à la mosquée. Salam. Salam les filles. Ouais. Regardez. Bonjour. Les mamans rouges. Il y a de l'ambiance. Ouais. du coup, je sais plus ce qu'on disait. Salam. Bon, c'est pas grave. Thank you.
l'après tartiflette. Voilà. Nos herniates. Bon, écoute, hein. Why not, hein. Ça, c'était mon ordre. And the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long. Qui c'est les gourmandes? C'est pas nous. C'est pas nous. Hein? C'est pas nous. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il y a dans le plat? On t'aide la salade de fruits. On t'aide à faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'il y avait dans le plat, pardon? La mousse au chocolat. Ah, les fruits. Ouais, ouais, c'est ça. C'est tellement mignon avec les doigts. Tu t'es fait. Eh ben si, prise en flagrant délit. D'abord écouter l'eau parler. Et alors? Et alors? Et alors? Alors? Et attends, parce que hein, on voit pas. Ah bah je peux le remettre dans le placard. Je fais la vaisselle, moi. Ouais. Maman, quoi? Tu peux te bloquer s'il te plaît? Tu as donc la main occupée, c'est ça? C'est bizarre quand je l'ai dit. Chacun son truc. Ouais, ouais. Oui. Et voilà notre fin de soirée après le repas français avec la tartiflette à la cocoyote. Hein. Le gratin de courgettes, il y avait. Qu'est-ce qu'il y a pour crêpes, la mousse au chocolat, les crêpes, la chantilly, le beurre salé. On les a fait exploser, leur a fait exploser le ventre. Vengeance. Bon, du coup, la fête hier, c'était super sympa avec toutes les femmes et puis les enfants. Par contre, on n'aurait pas dû. On a mangé à midi avant de partir. Et en fait, à la fête, il y avait un repas. Il y avait 5 plats ou 6 plats, un truc comme ça, et autant de desserts. Donc, comment vous dire qu'aujourd'hui, je jeûne. Ah ouais, et je vous ai pas dit. Hier soir, on a fait repas, vous l'avez vu, on a fait repas avec les Marocains, on leur a fait manger français. Sauf qu'on a eu la super bonne idée de faire tartiflette. Les amygdales qui baignent. Tellement on a mangé, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc là, aujourd'hui, c'est régime. C'est obligatoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et vous abonner si c'est pas fait. You say